Limoges Métropole a toujours été un territoire de coopération décentralisée. Aujourd'hui, nous cherchons à monter un partenariat avec l'Argentine et la province de Buenos Aires pour permettre des partenariats de projets autour de la thématique de l'élevage, qui est une thématique que nous partageons avec les Argentins. Nous avons ici une filière d'excellence autour de la race limousine, autour de la filière viande, et nous cherchons justement des synergies et des échanges entre les jeunes publics du lycée agricole des Vazés ici et les jeunes Argentins et les professionnels du monde de la filière viande en Argentine. Et donc cette coopération, elle a pour but d'être une coopération de projet concrète pour pouvoir avoir des véritables débouchés qui serviront les intérêts des deux territoires. Pourquoi ce partenariat avec les Vazés? Parce que c'est le lycée agricole du territoire, c'est le lycée qui forme nos futurs exploitants, qui forme les futurs éleveurs de ce territoire et bien au-delà. Et donc ce partenariat, il va permettre la mobilité de ces jeunes publics, leur permettre de découvrir d'autres cultures, leur permettre d'échanger sur de nouveaux savoir-faire. Et donc c'est le rôle de la métropole d'accompagner ce type de projet. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on tend la main au lycée des Vazés pour faire aboutir ce beau projet. L'établissement public agricole que je représente aujourd'hui a tout naturellement accepté ce projet de partenariat initié par la communauté d'agglomération de Limoges pour plusieurs raisons, des raisons éducatives et pédagogiques. Notre fonction, nous, c'est de former, mais autour de la formation, on a aussi une fonction d'ouverture au monde, de découvrir des cultures et des modes de vie et des modes de travail différents. Le ministère de l'Agriculture nous confie la mission de coopération internationale aussi, c'est une spécificité de l'enseignement agricole. Et puis l'Argentine est une terre d'élevage avec des modes de production très différents des nôtres, mais qui permettent aussi d'avoir des regards croisés au bénéfice de la pédagogie que l'on dispense auprès de nos apprenants. Les échanges de jeunes entre des pays aussi différents que la France et l'Argentine représentent pour nous bien sûr une opportunité éducative, puisqu'on forme les citoyens de demain. Ça leur apprend les approches culturelles, sociologiques différentes entre les pays, et puis une opportunité aussi professionnelle, puisqu'on forme les professionnels de demain dans les secteurs des métiers de l'élevage. Et donc avoir des regards sur les systèmes qui existent ailleurs, c'est aussi une façon de développer leur esprit critique et de les amener à se positionner, à faire leurs choix en termes d'engagement professionnel pour ce qu'ils auront à faire après leurs études. Je dirais que le principal point fort de notre établissement, c'est notre cœur de métier, c'est la pédagogie. On s'adresse à tout public, des jeunes élèves, des jeunes apprentis, des adultes. Et on essaye toujours d'agir pour les mettre en relation avec ce qui se passe dans le monde professionnel, à valoriser autant qu'on le peut les savoir-faire professionnels, les vécus en entreprise, en situation de travail. Alors parfois c'est sous forme d'alternance, parfois c'est en formation continue. Mais on développe une pédagogie innovante et on souhaiterait la partager avec nos homologues argentins qui ont aussi leurs propres pratiques pour faire avancer nos établissements respectifs dans le sens de l'amélioration, de la montée en compétences des gens et des apprenants que l'on forme. Alors en tant que scientifique, exerçant mon activité à l'Université de Limoges, il faut savoir qu'aujourd'hui, nos programmes de formation ou encore les différents programmes de recherche que nous mettons en place se passent justement à l'échelle internationale. Puisque aujourd'hui, à la fois, beaucoup de nos élèves doivent accomplir une mobilité sur différents pays à l'échelle de la planète, et la plupart des programmes de recherche que nous développons se font de manière partenariale avec des scientifiques d'autres pays. Pourquoi aller en Argentine? Alors l'Argentine est une destination qui pour moi est très intéressante en termes de développement futur, et il faut savoir que l'Argentine, c'est une terre, vous le savez tous, agricole. C'est aussi une terre qui a beaucoup d'énergie renouvelable, et nous ici à Limoges, évidemment, nous sommes également très ancrés sur des activités dans le secteur agricole et dans le secteur des énergies renouvelables. Donc je trouvais qu'il y avait beaucoup de synergie entre Limoges et la région de Buenos Aires où nous sommes allés. Dans sa stratégie, l'Université de Limoges a défini une priorité, la mobilité internationale, les échanges internationaux. Alors à la fois pour que nos étudiants puissent justement faire des périodes, soit par des semestres d'études, soit par des stages dans des pays étrangers, mais aussi, un autre point très important, c'est de pouvoir accueillir également des étudiants internationaux. Et d'ailleurs, à cet effet, pour faciliter l'accueil d'étudiants internationaux, l'Université de Limoges a mis en place une politique qu'on appelle de droits différenciés, c'est-à-dire des droits d'inscription, pour justement intégrer l'Université de Limoges à des coûts relativement bas. Et nous pensons aujourd'hui que ces échanges à l'échelle internationale sont primordiaux, qui plus est, comme vous le savez, dans un contexte dit aujourd'hui de mondialisation. Ce type de déplacement, ce type d'échange que nous avons eu avec nos partenaires, des partenaires argentins, ne fait que contribuer finalement
l'image de marque des universités françaises et à partir du moment où nous étions une délégation de Limoges, ne peut que valoriser justement eh bien, l'attractivité de l'université de Limoges auprès des jeunes Argentins. Et j'espère en effet que ce déplacement et le futur déplacement de nos collègues argentins, dont je sais dans la délégation qu'il y aura un représentant de l'université de Tandil, université du sud de la province de Buenos Aires, nous permettra eh bien, voilà, d'approfondir encore nos accords de telle sorte qu'on ait de plus en plus d'échanges bilatéraux. Ici au Pôle de l'Anneau, nous avons toujours travaillé en bonne relation avec Limoges Métropole. Et aussi, lorsque la proposition du projet de coopération avec l'Argentine a été faite, nous avons accepté volontiers. L'Argentine est un pays ami de longue date et premier importateur de la race limousine dans le monde et demandeur de génétique limousine française. Aussi, l'appui de Limoges Métropole pour ce projet est primordial pour nous. Afin de poursuivre cette action, nous avons prévu d'accueillir la délégation ministérielle de la province de Buenos Aires au mois d'octobre, également accueillie par Limoges Métropole. Et nous avons également invité les éleveurs de l'association de la race bovine limousine argentine dans le cadre de notre concours national limousin. Pourquoi le partenariat avec le Pôle de l'Anneau? Parce que vous êtes ici dans le berceau de la race limousine. Le Pôle de l'Anneau met en avant la génétique autour de la race, participe à la sélection de la race et participe au rayonnement à l'échelle de l'Hexagone, à l'échelle européenne et à l'échelle mondiale de la race limousine. Donc s'appuyer sur ce que l'on fait de mieux en termes d'excellence autour de la race limousine, c'était absolument prioritaire pour nous, d'où ce partenariat avec le Pôle de l'Anneau. Et puis ce site, il est tellement magnifique qu'il mérite d'être découvert par nos partenaires qui ne le connaissent pas encore. En termes de coopération décentralisée comme en termes de politique publique en général, l'important c'est la transversalité. Donc, pour pouvoir réussir ce partenariat futur avec les Argentins, il faut localement qu'on soit capable aussi nous-mêmes de travailler en transversalité. Donc vous l'avez dit, le lycée des Vazés, le pôle de l'Anneau, bassin de la race et l'université, parce qu'il y a des questions de recherche autour de ce futur partenariat. Et l'université a un rôle central à jouer dans ce dossier-là. Et encore une fois, pour faire en sorte que ça puisse fonctionner, il faut rassembler l'ensemble des acteurs d'un territoire.